À toutes et à tous, merci de cette invitation pour cette journée qui, effectivement, alors moi je dirais qu'elle est plus plurielle qu'intégrative. Je suis toujours un peu méfiant de la dimension intégrative. Je pense qu'on a plus intérêt à mettre en perspective nos approches qu'à vouloir à tout prix les combiner ou en faire une seule. Enfin, je trouve que la dimension polyphonique est quand même plus productive, on pourrait dire. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, et puis vous avez pu le voir dans mon titre, c'est de faire un pas de côté par rapport au programme et au titre même de la journée. Et plutôt que de me centrer sur le trouble anxieux ou sur les troubles anxieux, tels qu'ils peuvent être définis par les différentes classifications, je proposais de m'attacher au processus qui sous-tendent l'expression du trouble anxieux, à savoir l'angoisse. Ce pas de côté auquel je vous invite n'est pas innocent dans la mesure où il engage un choix épistémologique qui peut se formuler avec une double affirmation. D'une part, celle de la perspective de la continuité du normal et du pathologique qui engage à considérer la primauté d'une approche dimensionnelle sur une approche catégorielle. Et d'autre part, une conception du symptôme qui ne se réduit pas à la conception du trouble sur le mode un symptôme égale un trouble, considérant la pluralité des significations que peuvent revêtir les expressions symptomatiques. Fidèle à la tradition psychanalytique dans laquelle je m'inscris, il s'agira tout d'abord de présenter la manière dont l'angoisse contribue au développement psychoaffectif de l'enfant et l'accompagne, et d'aborder également ce que l'on pourrait nommer comme les points de butée de l'angoisse. Là où le débordement de l'affect d'angoisse submerge les processus adaptatifs de l'enfant ou de l'adolescent. Et au-delà, il s'agira de montrer de quelle manière les épreuves projectives peuvent contribuer au repérage des destins de l'angoisse au fil du développement de l'enfance à l'adolescence. Comme vous le voyez ici, mon intervention sera construite autour de trois temps successifs qui me conduiront à préciser, en référence à la clinique projective, d'abord la notion d'angoisse articulée avec celle de l'anxiété, mais aussi l'apport des méthodes projectives. Ensuite, la contribution de l'angoisse au développement de la vie psychique, je dirais sur un versant normal. Et puis, j'ouvrirai quelques réflexions sur les modalités de débordement de l'angoisse telles qu'elles peuvent se rencontrer au plan psychopathologique. Alors, quelques points de repère d'abord concernant l'angoisse et le rapport entre angoisse et anxiété. L'angoisse, dans la seconde théorie qu'en propose Freud, est une angoisse signal, un peu ce dont nous a parlé Dominique Ami juste avant. Une manifestation de la vie psychique qui possède une fonction d'alerte. En effet, l'émergence de l'affect d'angoisse, détaché de la représentation, informe l'appareil psychique d'un risque pour l'homéostasie de son fonctionnement. À ce titre, on peut considérer que l'angoisse, qui est une manifestation issue d'émotions inconscientes de l'appareil psychique, ne peut se confondre avec l'anxiété, qui peut être considérée comme un état symptomatique dont la description renvoie à un certain nombre de comportements. Et donc, on pourrait, à partir de là, considérer que l'angoisse sous-tend nécessairement, effectivement, l'expression de l'anxiété. En contrepoint, l'anxiété peut être considérée, si l'on en croit le Dictionnaire international de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, comme une traduction symptomatique de l'angoisse, corporelle ou comportementale, qui touche à l'équilibre neurovégétatif du sujet. Et on connaît l'étymologie du terme anxiété, hein, qui renvoie à la dimension d'oppresser, de serrer la gorge. Hein, et cette dimension physiologique de la manifestation anxieuse me paraît intéressante à souligner. Je propose alors de considérer que l'anxiété constituerait en quelque sorte l'expression manifeste de l'angoisse qui en serait la part latente, la face latente.
Si l'on fait un détour par les classifications internationales, alors là, il y a un problème d'ordre. Tout d'un coup, on a le cénotest, mais ce n'est pas grave, on y viendra tout à l'heure. Si l'on fait un détour par les classifications internationales, on peut relever les recoupements, en particulier entre les propositions de la CIM-10 et celles de la CFTMEA. Cette dernière classification, vous le savez, se trouvant clairement orientée par la psychanalyse, avec la préoccupation de croiser les aspects catégoriels et dimensionnels de l'approche en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Pour la CIM, les troubles anxieux sont identifiés dans le chapitre consacré aux troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes. Hein, c'est le titre du chapitre qui comprend les catégories F40 à F49. Et on trouve les troubles anxieux dans deux catégories principales. En F40, les troubles anxieux phobiques, qui ensuite vont se décliner selon le registre de la phobie, selon le type d'objet qui est mobilisé par le mouvement phobique. Et en F41, sous la rubrique « Autres troubles anxieux ». Et on va trouver dans ces autres troubles anxieux le trouble panique épisodique, l'anxiété généralisée et le trouble anxieux et dépressif mixte, pour reprendre les trois principales sous-catégories de ce chapitre. Pour la CFTMEA, les troubles anxieux sont mentionnés exclusivement parmi les troubles névrotiques, avec une référence 2.0 troubles névrotiques à dominante anxieuse, mais ils sont mentionnés également indirectement, implicitement, en lien avec les troubles névrotiques à dominante phobique 2.2 qui sont référés à la CIM-10 avec la correspondance F40.9 qui envoie aux troubles anxieux phobiques sans précision. Donc, voilà un peu le panorama de l'inscription de ces troubles anxieux dans les classifications pour retenir uniquement la CIM-10 et la CFTMEA. On le voit pour la CFTMEA, les troubles anxieux sont essentiellement considérés dans leur valence névrotique ou névrotiforme, alors qu'ils occupent manifestement un plus large spectre pour la CIM-10. On approche du point de vue de l'angoisse, permettra effectivement d'élargir le spectre de ce que je nommais précédemment les points de butée de l'angoisse. J'aborderai donc l'angoisse et ses différentes variations dans le développement de l'enfant, considérant également bien sûr la réactualisation propre au temps de l'adolescence. Je proposerai de distinguer trois grands groupes d'angoisse qui, bien sûr, consistent dans une forme de modélisation qui comporte elle-même une multitude de variations. Les angoisses liées à l'expérience de la différenciation, les angoisses liées à l'expérience de la séparation et enfin les angoisses liées à la construction de la différence des sexes et des générations. Considéré de ce point de vue, on peut reconnaître que chacune de ces variations répond à un projet maturatif de l'enfant puis de l'adolescent et à ce titre contribue au développement psychoaffectif. Quelques mots maintenant des apports des méthodes projectives. Dans le projet d'un repérage de l'angoisse, le recours aux épreuves projectives constitue, de mon point de vue, une proposition privilégiée. En clinique de l'enfant et de l'adolescent tout spécialement, on connaît la fonction médiatrice de ces outils cliniques dans la rencontre et la dimension d'embrayeur pour une expression des éléments du monde interne, des contenus du monde interne sur une autre scène, la scène projective. Je propose plus précisément de penser les épreuves projectives comme un dispositif à symboliser, en m'inscrivant dans le fil des perspectives ouvertes par René Roussillon quant au déploiement des processus de symbolisation. Cette formulation de dispositif à symboliser doit être entendue selon deux acceptions conjointes. D'une part, le dispositif projectif doit être symbolisé par l'enfant, c'est-à-dire suffisamment reconnu dans sa fonction de soutien d'un va-et-vient entre monde interne et réalité externe. On retrouve l'idée qu'avait soutenue en son temps Catherine Chabert de l'ouverture d'une aire de jeu transitionnelle à partir de la proposition de l'épreuve projective. D'autre part, le dispositif projectif, au travers de l'ambiguïté du stimulus et l'invitation
paradoxale ouverte par la consigne. Alors, cette invitation paradoxale est particulièrement présente dans la consigne du Rorschach. Hein. Qu'est-ce que cela pourrait être avec l'invitation à un double appui sur la réalité externe, cela, et sur la réalité interne, avec ce conditionnel du pourrait être. Donc, ce dispositif projectif, au travers de l'ambiguïté du stimulus et du paradoxe de la consigne, force la symbolisation et contraint le sujet à une prise de position face au matériel qui lui est proposé, contraint le sujet à s'engager, au fond, sur la voie de la symbolisation, selon ses potentiels et aussi selon ses limites. C'est dans ce contexte de l'engagement de l'enfant ou de l'adolescent sur la voie de la symbolisation, avec ses avancées et ses points d'achoppement, que l'on pourra repérer la trace de l'émergence de l'angoisse et des modalités de contention de l'angoisse par la voie des mécanismes de défense. Si l'angoisse peut être considérée dans sa modalité d'affectation de la vie psychique par les expériences internes et externes auxquelles se trouve soumis le sujet, les mécanismes de défense en constituent le contrepoint et contribuent à rebours, on pourrait dire, au repérage des émergences de l'angoisse. Ces mécanismes de défense sont traditionnellement, en psychopathologie psychanalytique de l'enfant et de l'adolescent, décrits autour de 5 axes qui se déploient dans une perspective transnosographique. Le recours à la réalité, le recours à l'imaginaire, le recours à l'affect, le recours à l'inhibition et le recours à la motricité. Ce sont les points de repère en particulier sur lesquels Nina Roche-Traubenberg avait construit son ouvrage sur le Rorschach en clinique de l'enfance. Ce sont aussi ces mêmes points de repère qui ont guidé les propositions de Monica Bocholt pour l'approche des épreuves projectives thématiques, hein, dans un ouvrage qui est un ouvrage de référence sur la question. Ainsi, selon l'épreuve projective considérée, épreuve graphique, épreuve de jeu, épreuve verbale, ces différentes modalités défensives prendront des formes expressives, spécifiques bien sûr. Les épreuves projectives à destination des enfants et des adolescents offrent une grande diversité et une grande richesse pour la pratique clinique, beaucoup plus grande que les épreuves projectives disponibles pour les adultes. Je m'attacherai ici plus particulièrement aux épreuves de jeu, la mallette projective première enfance pour les tout-petits et le cénotest pour les enfants un peu plus grands, aux épreuves dites verbales, le Rorschach, bien sûr, le CAT et le TAT, Rorschach, dont on connaît la caractéristique d'épreuve structurale, en contrepoint du CAT et du TAT, qui sont considérés comme des épreuves thématiques, je vais revenir là-dessus. Il convient à ce point de rappeler, après Catherine Chabert, la nécessaire complémentarité des épreuves structurales qui mobilisent de manière privilégiée les registres narcissiques identitaires du fonctionnement psychique et les épreuves thématiques dont la sollicitation objectale identificatoire prend appui sur la dimension figurative des planches. Le recours complémentaire à ces deux types d'épreuves est extrêmement important dans la mesure où il limite une focalisation ou le risque d'une focalisation excessive sur l'un des registres de fonctionnement psychique au détriment de l'autre. On sait que ces deux registres, narcissique identitaire et objectal identificatoire, contribuent conjointement à la vie psychique. On associe dans la pratique clinique habituellement le Rorschach au TAT ou au CAT, par exemple, les épreuves de jeu pouvant davantage être considérées, du fait de la diversité du matériel qui les compose, comme proposant une mobilisation conjointe des deux principaux registres de fonctionnement psychique que j'ai mentionnés précédemment. Tous les éléments non figuratif, par exemple, de la mallette projective première enfance ou du cénotest. Si je prends le cénotest qui est plus connu, les matériaux de construction, par exemple, tout ce qui va contribuer à instaurer un décor pour la scène du jeu, et puis y compris le couvercle de la boîte qui sert de support pour le jeu, peuvent être considérés davantage dans leur
sollicitation narcissique identitaire, hein, alors que le choix des personnages, le choix des animaux, etc., va être entendu plutôt dans le registre de la sollicitation objectale identificatoire. Alors, comment est-ce que l'on va pouvoir rencontrer l'expression de l'angoisse aux épreuves projectives ? Je l'ai dit, l'angoisse accompagne le développement de la vie psychique de l'enfant. On peut reconstruire les modalités de son émergence au fil des expériences successives dans la rencontre de l'environnement, en lien avec les différents registres de la maturation physiologique et psychologique de l'enfant ou de l'adolescent. Les productions projectives portent la trace, d'une certaine manière, de ces angoisses et de la manière dont elles affectent la vie psychique de l'enfant ou de l'adolescent. Je dois préciser que j'entends ici par production projective l'ensemble des manifestations de l'enfant ou de l'adolescent face au matériel projectif, c'est-à-dire que la production projective ne se limite pas, bien sûr, à la production verbale. C'est la production verbale, mais c'est aussi la production non-verbale. Ce sont les manifestations sensorimotrices en lien ou en échappée à l'égard de la situation projective. Je vais proposer pour chacun des registres d'angoisse quelques exemples de traductions projectives selon les différents temps du développement, petite enfance, enfance, période de latence, on pourrait dire, et adolescence. La traduction projective de l'angoisse se lit au travers de ratés dans la symbolisation qui s'exprime de manière plus ou moins marquée. Il faut préciser encore que dans le temps de la petite enfance, ces angoisses se déploient principalement sur la scène du jeu, on verra avec la mètre projective, première enfance et le cénotèse. Dans le temps de l'enfance, on pourra mobiliser la scène du jeu avec le cénotest ou des épreuves projectives verbales, le CAT, le TAT, l'ORT, le patte noire. Et enfin, dans le temps de l'adolescence, le plus souvent sur la scène ouverte par les épreuves verbales, le Rorschach, l'ORT ou le TAT. Pour chaque registre d'angoisse, une illustration clinique projective sera proposée en fonction de l'âge. Alors bien sûr qu'il est certes discutable de se limiter à illustrer une problématique à partir d'une réponse ou d'une observation extraite de ce contexte. Cependant, pour des raisons liées au format de cette conférence, ces fragments cliniques qui ne comprendront pas de manière systématique la référence conjointe aux épreuves structurales et thématiques tenteront de rendre compte de la dynamique en jeu dans la rencontre projective. Donc je vais commencer par les angoisses liées à l'expérience de la différenciation. De manière générale, ces angoisses se traduisent sur la scène projective par la difficulté, voire l'impossibilité, d'investir la situation projective comme un espace de déploiement pour le jeu, au sens winnicottien du terme. On appuie sur une suffisante différenciation des espaces. Différenciation dedans, dehors, fond, forme, contenant, contenu. Ces angoisses témoignent des processus de différenciation moi-non-moi, fondateurs de l'identité et de leurs aléas. Dans le temps de la petite enfance, face à la manette projective première enfance ou au cénotèse, ces angoisses se traduisent par des éléments de désorganisation dans la rencontre avec le matériel des épreuves de jeu, sous la forme d'un retrait massif à leur égard ou de procédés d'hyper-contrôle, on pourrait dire, du matériel et des éléments du cadre en particulier. On pourrait dire qu'il y a un déplacement sur la scène projective de la nécessité d'éprouver des limites externes consistantes en contrepoint de la précarité des limites internes. Alors, c'est là qu'intervient le cénotest que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est une épreuve de jeu qui a été créée par une clinicienne allemande, von Stabs, en 1964, et qui est restée une épreuve régulièrement rééditée, alors, dont le matériel évolue un peu au fil de ces rééditions, mais qui est restée quand même relativement stable. Et donc, je vais vous donner un exemple avec Elliot. 3 ans, c'est un exemple qui est tiré de l'ouvrage d'Hélène Suarez-Labatte sur les problématiques autistiques et leur traduction projective. Elliot s'assure à plusieurs reprises de la solidité des bords avant de tenter d'attacher les wagons du train, ce qui prendra beaucoup de temps. Il fait beaucoup d'allers-retours pour vérifier la solidité des bords.
Il installe la chaise à trous, hein, une chaise qui est une chaise toilette, et revient consolider les bords, renforçant les limites face au mouvement kinesthésique représenté par le train. Hein, donc voilà une manière hein, dont on va pouvoir s'exprimer dans le temps de la petite enfance ces angoisses de, liées à l'expérience de la différenciation. Dans le temps de l'enfance, on peut retrouver le même type de manifestation face aux cénotestes. Face aux épreuves verbales, les productions projectives de l'enfant peuvent prendre différentes formes. Face à l'épreuve de Rorschach, le caractère non figuratif du matériel prend une dimension facilement inquiétante. L'absence de repères internes suffisamment stables pour assurer une discrimination du stimulus, de ses contours et des contours des représentations qui s'y dessinent, tend à favoriser des réponses incertaines, de l'ordre du choc, par exemple, choc au vide face aux planches dans lesquelles la lacune centrale est significative, sur le mode du refus ou avec des réponses de l'ordre de la contamination. Ces contaminations, qui consistent dans une fusion incohérente de deux représentations, rendent compte en effet de manière très spécifique des angoisses de différenciation, tout comme les réponses qui témoignent d'une attaque de l'intégrité des représentations. Et on va prendre l'exemple d'Ouria avec la séquence des trois premières planches du Rorschach. C'est une petite fille de 8 ans. En fait, c'est quoi ce truc ? Une araignée. Donc, les points d'interrogation entre parenthèses, hein, c'est la relance, là, le soutien de l'enfant. Un scarabée. Je ne me rappelle plus. À la planche 2, c'est une fourmi. À l'enquête, elle dira d'ailleurs, c'est ça à cause du truc blanc, donc à cause de la lacune centrale. Un papillon. Je ne me rappelle plus des autres. Et à la planche 3, c'est une dame et un monsieur, très longtemps de latence. Je ne me rappelle plus. On peut noter dans ce début de protocole la fragilité, l'imprécision et l'instabilité des représentations. Avec cette formulation récurrente de « je ne me rappelle plus hein, », comme si la représentation n'avait pas pu s'inscrire dans une permanence suffisante. On peut d'ailleurs noter qu'un peu plus loin dans le protocole, des représentations qui portent la marque du clivage vont apparaître ou des représentations inquiétantes. Hein. Je donne juste l'exemple à la planche 7, dans laquelle on voit apparaître deux réponses globales alternatives, non conflictualisées, c'est des anges et des diables. Et puis à la planche 9, une réponse inquiétante avec un squelette sans yeux. Dans les épreuves thématiques, ce sont sans surprise les planches les moins figuratives, au TAT, les planches 11, 19 et 16 par exemple, qui sont le siège des expressions les plus marquées de l'angoisse de différenciation. Comme si, au fond, alors c'est particulièrement sensible à la planche 16 du TAT, qui est une planche blanche, hein, comme si le fond blanc de la planche ne pouvait se constituer comme un support suffisamment stable pour accueillir les représentations. Mais de manière plus générale, cette angoisse se traduit au travers de l'émergence de représentations dégradées, attaquées, voire par des confusions touchant l'identité des personnages représentés, qu'ils soient humains ou animaux. Toujours avec Ouria, ici au CAT, à la planche 2. C'est l'histoire de trois ours qui tiraient une corde avec son petit et avec la maman et le papa. Ils tirent une corde. Après, la corde, elle se déchire. Ouria regarde un moment dans le vide. Après, ils n'ont plus de corde. Au travers de ce récit, on assiste, je dirais, en direct à la décomposition des opérateurs de différenciation. Le récit s'ouvre sur une première description qui prend appui sur le stimulus, qui autorise une différenciation des personnages, du point de vue du sexe, la différence des sexes et des générations, mais c'est une différenciation fragile, on peut noter le craqué verbal hein, qui succède. Trois ours qui tiraient une corde avec son petit, puis le récit glisse lorsqu'il s'agit d'évoquer les possibles interactions vers une détérioration de la représentation, la corde qui se déchire, puis sa disparition. D'une certaine manière, le vide du regard peut être compris comme annonciateur de l'effacement de la représentation, témoin d'un effacement de la subjectivité. Dans le temps de l'adolescence, sous l'effet de la réactivation pulsionnelle initiée par la puberté, les repères internes peuvent se trouver subvertis, produisant une atteinte des contours et des limites des représentations et de leurs supports. J'évoquais
la planche-chaise au TAT en particulier. L'angoisse de différenciation s'exprime tant aux épreuves structurales que thématiques, souvent de manière plus floride que dans le temps de l'enfance, avec des représentations dans le registre de l'explosion ou de la destruction, ou avec des marques de confusion identitaire, instabilité des représentations, télescopage des genres ou des appartenances en termes d'espèces. Les interactions suggérées par les planches mobilisent par ailleurs des mouvements persécutoires, parfois marqués. Par ailleurs, dans ce contexte, l'expression verbale porte souvent la trace de cette désorganisation, on l'a déjà un peu vu avec Ouria, hein, avec des craquets verbales ou des confusions langagières. On va rencontrer Jonas à la planche 2 du Rorschach. Donc, deux renversements de planche, il prend la planche sur le côté. De l'autre côté, on dirait un corps humain avec ses poumons, l'estomac, l'anus et les cuisses et le reste du corps, ce qu'il y a autour. Cette réponse, dans un contexte où les représentations humaines dans l'ensemble du protocole se présentent comme parcellaires, cette réponse témoigne de vécu d'effraction. Comme ici, avec la juxtaposition de réponses anatomiques et de détails humains, sans construction d'une articulation véritablement stable entre dedans et dehors. Un exemple au TAT avec la séquence de réponses aux planches 8 BM, 10 et 13 MF. À la planche 8 BM, Edgar dit « Là, ils sont cannibales, ces deux cannibales. Non, je rigole. Ces deux médecins qui font une incision à une personne pour je ne sais quoi opérer. Mais c'est dans le vieux temps, quoi. » À la planche 10, ça c'est quelqu'un qui, je ne sais pas trop, elle est trop bizarre cette image. Là finalement, je ne sais pas. Donc relance. Pourquoi la bouche, elle est noire et c'est tout noir? Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne peux rien dire. Et puis, toujours Edgar, à la planche 13 MF, là il a tué sa femme. Et puis il s'essuie son sang. Les émergences persécutoires affleurent dans un contexte de disqualification du matériel. Edgar va porter de façon très, très récurrente des attaques à l'égard du psychologue et de la situation projective. À la proposition d'un récit contenant une représentation crue, cannibale, succède un vécu d'étrangeté dans la rencontre à la planche 10 avec ses bouches noires et un récit porteur à nouveau d'une violence non médiatisée par les processus défensifs à la planche 13 MF, récit qui marque un vacillement de la différenciation dans cette formulation un peu étrange. Il s'essuie son sang, comme si effectivement il y a quelque chose qui se perdait de la différenciation entre le sujet et l'objet. Nous allons maintenant aborder les angoisses associées à l'expérience de la séparation. La traduction projective de ces angoisses prend la forme de manifestations qu'on pourrait appeler anaclitiques, avec des accrochages au matériel, au manifeste du matériel, des marques de dépendance, ou la forme de manifestations dépressives ou antidépressives marquées, sensibilité à l'absence versus évitement de l'absence. Ces angoisses rendent compte des enjeux de la construction de la permanence de l'objet au travers de l'investissement de la dynamique présence-absence et, là encore, de ses avatars. Dans la petite enfance, face aux épreuves de jeu, on assiste à un surinvestissement des liens entre les éléments du matériel projectif. Je vais montrer ici le matériel de la mallette projective première enfance. Par exemple, surinvestissement à la mallette projective première enfance de la cordelette que vous voyez au premier plan des éléments à disposition de l'enfant, témoignant d'une forme de déni de la séparation. D'une forme de déni de la séparation. À l'inverse, on peut assister à des mouvements de type maniaque, dominés par une approche factuelle, en retrait de l'investissement de l'imaginaire à l'égard du matériel. Alors, j'ai ici un exemple d'observation de la MPPE qui est issu de la clinique de ma collègue Mathilde Dublineau qui travaille beaucoup avec cette épreuve. Je ne vais pas vous lire l'ensemble, vous pouvez en prendre connaissance pendant que je vais en faire quelques commentaires. C'est une séquence dans laquelle l'enfant est donc seul avec la psychologue. Elle a 11 mois, la maman est dans la salle d'attente. Cette collègue qui travaille dans un dispositif
de consultation de prévention des troubles précoces des bébés a l'habitude de filmer les séances pour pouvoir reprendre avec les parents le visionnement du film. C'est pour ça qu'il est question de la caméra et d'un opérateur de caméra. Ce qu'on peut peut-être dire pour résumer un peu cette observation de jeu, que dans un premier temps, cet enfant manipule beaucoup les objets, hein, elle se contente de manipuler, il y a des échecs dans ces manipulations. Et puis, à la fin de ce fragment d'observation, elle tente d'instaurer une interaction avec la psychologue. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose chez elle qui va se désorganiser sur un mode dépressif. L'approche du matériel donc, se trouve limitée à des comportements exploratoires avec des interactions très limitées avec la psychologue. Hein, on voit à un moment, elle regarde la jambe de la psychologue, ce qui semble protéger l'enfant de l'expérience de la séparation. C'est au moment où s'inaugure l'interaction avec la psychologue et que celle-ci fait référence à l'absence de la mère que Lana s'effondre dans un mouvement dépressif. Dans le temps de l'enfance, ces expressions se déplacent sur les sollicitations discursives propres aux épreuves verbales. Au Rorschach, le mode d'investissement de la symétrie constitue un indicateur privilégié de l'expression des angoisses de perte, tandis que certaines planches au CAT, la planche 1 et la planche 9 par exemple, ou au TAT, la planche 3BM, la planche 4, la planche 13B, constituent des attracteurs particulièrement efficaces, si je peux le dire de cette façon-là, de ces angoisses. Je commencerai par un exemple issu de la passation d'un cénotest avec un jeune garçon, un garçon de 12 ans. Alors, un choix qui peut paraître étonnant hein, pour un garçon de 12 ans, mais qui a été motivé par le fait que c'est un garçon qui présente un mutisme sélectif assez sévère, et en tout cas qui s'exprime sévèrement dans le cadre de la consultation, et que le fait de pouvoir proposer pour un enfant dans cette configuration une épreuve non verbale est évidemment extrêmement précieux. Donc, voilà l'observation de jeu. De la même façon, je ne vais pas la lire de façon détaillée. Simplement faire remarquer que Juan va rechercher de façon très récurrente des appuis pour les personnages, des appuis contre la bordure du plateau de jeu ou dans des aménagements côte à côte entre les personnages ou dans des aménagements entre personnages et animal. Ouais, on peut faire l'hypothèse que cette recherche récurrente d'appui, malgré les effondrements aussi hein, qui émaillent ces tentatives, témoigne d'un mouvement de lutte contre la séparation qui échoue partiellement du fait des engagements moteurs de l'enfant. Un exemple maintenant avec Pierre, 9 ans, exemple au TAT, aux planches 3BM, 11 et 13B. Là aussi, j'ai choisi un peu une séquence pour montrer la logique, on pourrait dire, hein, des expressions projectives. Au TAT, à la planche 3BM, Pierre dit « Un garçon qui est au coin, il est pieds nus. Ah si, il est avec des chaussures. Il pleure contre les murs. Il pleure contre le mur. » À ce moment-là, il se met à mimer les pleurs. « Parce qu'il a une bosse, une grosse bosse qui fait toute la planète. » Non, quand même pas. Et il mime les pleurs. À la planche 11, ça, c'est quoi? C'est un buffle qui a perdu sa maman. Non, c'est un scarabée qui a perdu sa maman. Et puis, à la planche 13B, c'est un enfant qui est tout seul parce que sa maman est morte et son papa aussi. Il mime les pleurs. Comment je vais payer la maison? Comment je vais manger? Il n'y a pas de poulet. On peut relever ici la prégnance des thématiques de séparation, abandon, qui vont même jusqu'à à la planche 3BM, une marque de déformation hein, de la représentation. Ces thématiques de séparation et d'abandon que l'on retrouve y compris, là, on ne les attend pas, je dirais, à la planche 3, à la planche 13, on les attend, mais à cette planche 11, c'est assez étonnant, hein, cette idée du buffle qui a perdu sa maman et du scarabée qui a perdu sa maman. Et ce qu'on peut relever aussi, bien sûr, c'est la proximité de l'expérience dépressive dans sa traduction corporelle, hein, lorsqu'il mime les pleurs. Dans le temps de l'adolescence, ces angoisses de perte sont particulièrement sensibles à la nécessité, ouverte par la puberté, d'un renoncement aux objets de l'enfance.
Les enjeux liés à la continuité des investissements narcissiques tendent à exacerber les modalités d'accrochage au factuel et ou aux effets de miroir mobilisés par le matériel projectif, garantie contre le risque de se trouver dessaisi de ses objets d'investissement d'une part et soutien de la confortation des assises narcissiques d'autre part. Alors on va rencontrer Marine Aurore Char à la planche 2 et à la planche 3. Ah, quand je ferme un œil, ça me dit quelque chose. On dirait un homme qui se reflète dans le miroir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou c'est ce que je vois ? Oui, c'est ce que je vois, c'est tout. À la planche 3 du Rorschach, deux femmes, non, une femme, mais toujours un miroir, comme si ça reflétait, c'est symétrique, qui met sa main dans je sais pas quoi, dans un pot. Ça va ? L'appui sur le miroir, dans un dispositif qui mobilise l'expression du corps, fermer un œil pour voir l'effet du miroir, quelque chose de très joli sur ce jeu entre bilatéralité et unilatéralité, témoigne de la vivacité de la problématique narcissique et de ses prolongements du point de vue de la nécessaire réassurance à l'adolescence, réassurance dont on peut noter qu'elle est également recherchée dans le soutien avec le psychologue, hein, puisque elle demande à la planche 2, vous voyez ce que je veux dire, hein, et à la planche 3, elle s'assure de savoir si ça va, si c'est correct. Lilian, à 14 ans, à la planche 1, prend les planches dans les mains, il dit à un ange, à deux anges collés. À la planche 2, à deux lapins qui se tapent dans les mains. Chaque fois, il renvoie la planche vers le psychologue. À la différence de Marine, on voit ici comment, avec Lilian, le doute sur la qualité unitaire ou bilatérale de la représentation rend compte de la fragilité de la construction narcissique, hein, en particulier avec cette planche 1, un ange à deux anges collés, sans qu'il puisse véritablement articuler ces deux représentations. Troisième registre d'angoisse, les angoisses liées à la rencontre de la différence des sexes et des générations. Ce troisième volet concerne l'expression des angoisses liées à la différence des sexes et des générations, donc, et concerne plus particulièrement les enfants à partir du temps œdipien, puis les adolescents. La traduction projective de ces angoisses se lie au travers du débordement de l'excitation attaché aux émergences œdipiennes, au travers du défaut de leur refoulement dans la période de latence et de leur réactualisation au temps de l'adolescence. Les principales manifestations peuvent être repérées dans le traitement des sollicitations liées à la castration et aux différentes limitations opposées par la nécessaire prise de position dans le registre de la différence des sexes et des générations. Je ne peux pas être tout, garçon et fille, homme et femme, adulte et enfant. Dans le temps œdipien, ces angoisses s'expriment par la dénégation portée sur les enjeux de la différence, parfois aussi par un déplacement des représentations de l'humain à l'animal ou par une expression d'une forme de transparence de la problématique œdipienne et du risque que cette problématique œdipienne fait courir à la vie psychique tout en lui permettant de construire les conditions d'une conflictualisation des liens. Je vais vous donner un exemple à la maladie projective première enfance, une observation de jeu d'une petite fille de 3 ans et demi chez laquelle ces émergences œdipiennes apparaissent de façon assez expressive, assez transparente, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, il y a tout un jeu avec. Elle va introduire dans les éléments qui constituent la maître projective première enfance un élément supplémentaire qui est un chien en pluche qui fait partie des objets à disposition des enfants le bureau du psychologue, dans mon bureau à l'époque. Et elle va jouer avec. Et en fait, elle va être davantage mobilisée par ce chien que par le matériel de la MPPE. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle joue, au fond, avec la présence du psychologue et avec l'investissement de cette présence. On peut faire l'hypothèse ici d'un couplage, une tentative de couplage entre Maya
et le psychologue, qui ouvre sur une excitation majeure et qui, alors, qui se traduit par ces déversements d'excréments dans les différents parties de, du cabinet, mais qui, et qui interroge dans le même temps, on pourrait dire, les mouvements meurtriers à l'égard de la mère, avec cette interrogation, est-ce que ma mère est morte ? Dans le temps de la latence, l'expression du défaut du refoulement des désirs incestueux et meurtriers peut se lire au travers de l'expression d'une excitation peu contenue face aux sollicitations les plus marquées. Alors, au Rorschach, on peut retenir les planches 3, 4 et 6. Au TAT, les planches 2, 6 et 7. Ou bien alors, au travers de l'inhibition, de la banalisation, de l'évocation, de la référence d'émotions libidinales et agressives qui sous-tendent le lien oedipien. Rorschach, on va voir avec Steve aux planches 2 et 3. À la planche 2, Steve a 9 ans, donc, ben deux personnes un peu qui se battent. Voilà. À la planche 3, deux personnes qui dansent un peu aussi, ou qui s'écartent, en fait. Voilà. On entend en arrière-plan, d'une part, une difficulté pour Steve à assumer les positions sexuées des représentations humaines, deux personnes, et d'autre part, la minimisation qui affecte la qualité de la rencontre agressive ou libidinale avec l'utilisation de cette forme verbale un peu. Minimisation dont l'issue à la planche 3, vous le voyez, est la mise à distance qui semble être au fond la seule solution pour se départir de cette angoisse. Dans un autre registre, le protocole de Coralie met en évidence un débordement de l'excitation et l'échec d'une symbolisation de celle-ci. À la planche 4, une graine qui pousse, ça devient un bébé, et ça devient un géant qui mange la graine. Elle renverse la planche, et il y a plus de choses qui me passent par la tête. C'est une réponse qui est issue de l'ouvrage de Jean-Yves Chagnon sur les troubles névrotiques chez l'enfant. Face à cette planche, dont le contenu latent mobilise le registre du masculin paternel, une mention du phallique, le symbolisme sexuel de la réponse est transparent, ainsi que le sentiment de débordement, très joliment signifié sous la forme, ce qu'on pourrait appeler une kinesthésie mentale, qui me passe par la tête. Un exemple au CAT avec Anatole à la planche 6, donc cette planche, vous voyez peut-être, c'est un peu indistinct, mais on a deux ours en arrière-plan, deux ours adulte, on va dire, et puis un petit ours au premier plan. Il y a trois ours qui dorment et qui, dans une grotte toute sombre, où il y a plein de feuilles. Je ne sais pas trop, j'arrive pas. L'accrochage au manifeste de la planche, ici, le surinvestissement du cadre et de la sensorialité permettent de maintenir à distance les enjeux oedipiens du lien. Enfin, dans le temps de l'adolescence, la remobilisation des fantasmes incestueux et meurtriers nourrit possiblement l'émergence d'angoisse à même de mettre à mal les potentiels de symbolisation des adolescents face aux planches. Les mécanismes de dénégation ou d'isolation, viennent alors au service du maintien à distance des angoisses liées à la différence des sexes et des générations, mécanismes qui, lorsqu'ils échouent, peuvent laisser place au débordement ou à la confusion dans les expressions projectives. On va voir avec Judith aux planches 1 et 2 du Rorschach. Il faut que je dise à quoi ça me fait penser, ben, à une femme avec des ailes qui veut attraper quelque chose. Et puis, à la planche 2, renversement de planche, en fait, je vois ce que ça pourrait être là, mais ce serait de la fumée noire qui emporte, je ne sais pas, des personnes. La figure féminine maternelle à la planche 1 se trouve mobilisée sur une modalité inquiétante. Une femme avec des ailes qui veut attraper quelque chose, que l'on peut entendre comme un écho de la rivalité mère-fille qui s'ouvre dans le temps adolescent. L'issue quasi persécutoire de la planche 2 confirme le risque d'impuissance vécu dans le lien au féminin. Avec Richard, qui a 14 ans, à la planche 2 du TAT, qui est une planche qui mobilise particulièrement la dimension du triangle oedipien, dans une ferme, une seule femme savait lire, une seule femme savait retourner la terre et un seul homme savait dresser les chevaux. Je ne vous lis pas la suite, vous pouvez en prendre connaissance, mais vous voyez d'emblée comment l'isolation des différents personnages figurant sur la planche
à partir de leur description référée à la seule différence des sexes, permet de maintenir à distance l'angoisse liée à la rencontre de la triangulation oedipienne. Quelques mots maintenant sur les troubles anxieux, leur traduction projective, les troubles anxieux que je propose de considérer comme une pathologie de l'angoisse. Et au fond, c'est un peu cette même perspective que Dominique Amy nous proposait tout à l'heure autour de l'autisme. À la suite de ce tour d'horizon de l'expression projective de l'angoisse, considérée dans sa valence potentiellement structurante, quelques configurations psychopathologiques peuvent être évoquées afin de rendre compte de ces différentes formes de pathologie de l'angoisse auxquelles renvoient les troubles anxieux. Dans la perspective que je soutiens ici, les troubles anxieux se présentent comme la manifestation de l'exacerbation et de l'envahissement de l'angoisse dans la vie psychique de l'enfant ou de l'adolescent, et à partir de là, du débordement des mécanismes de défense qui mettent à mal les compétences adaptatives. De ce point de vue, et en appui sur l'apport des épreuves projectives, l'anxiété peut être envisagée selon trois polarités principales, référées aux trois registres d'angoisse que nous venons de parcourir. Ces polarités ouvrent sur des configurations cliniques susceptibles, là encore, de toutes les variations, et se déclinent bien sûr différemment dans le temps de la petite enfance, de l'enfance et dans celui de l'adolescence. Première polarité, celle de l'intégrité, dont on peut repérer la trace en lien avec les troubles psychotiques plus spécifiquement, et les troubles schizophréniques, encore plus particulièrement, dans le temps de l'enfance ou de l'adolescence. La polarité de la séparation, caractérisée par un défaut de traitement de l'expérience de la perte et qui se manifeste par la prévalence des émergences anaclitiques et dépressives. La polarité de la complétude entre les sexes, dont témoignent les manifestations phobiques ou obsessionnelles en particulier. Il importe de signaler par ailleurs que chacune de ces polarités ouvre sur des troubles de la symbolisation dont on peut repérer les indices aux épreuves projectives, sous la forme de gel, de rupture, de torsion, de débordement, mais dont on peut également repérer les indices dans la clinique du point de vue de l'investissement des opérations cognitives et des apprentissages. Chacune de ces polarités des pathologies de l'angoisse mériterait bien sûr une présentation en appui sur la clinique projective, à partir de cas qui en illustreraient la dynamique, mais ce que je peux bien sûr pas faire ici. On peut néanmoins se référer, outre à mes propres travaux, aux précieuses contributions de mes collègues que j'ai déjà évoquées, Hélène Suarez-Labatte, Aline Cohen-Delara, Jean-Yves Chagnon en particulier, qui ont publié un certain nombre d'articles ou d'ouvrages sur ces questions. On le voit, l'apport des épreuves projective au pas de côté auquel je vous ai invité est double. D'une part, les épreuves projectives apportent leur contribution au repérage de l'inscription psychodynamique des angoisses, et d'autre part, elles autorisent une pensée renouvelée des perspectives cliniques, psychopathologiques et nosographiques dans le champ des pathologies de l'angoisse. Je vous remercie.